cool. Hello les amis, c'est Super Rico. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de notre série à la cool, Super Rico, à la cool. Alors aujourd'hui nous allons partir en expédition, ce qui veut dire que nous allons récupérer notre lit. On va, se crafter aussi des bateaux. Deux, je pense que ça suffira largement. Deux bateaux. On va se prendre une table de craft au cas où, pour ne pas être pris au dépourvu. Mais a priori, ça devrait être bon. On va se mettre une deuxième épée ici. Voilà, notre but, c'est de trouver de la canne à sucre. Alors, où est le soleil? Midi, bon. Alors, je crois effectivement que notre île, si je me souviens bien, était par là-bas. On l'avait aperçu, souvenez-vous, lors du prologue de la série, la première soirée. Allez, j'espère que mon sens de l'orientation ne va pas me trahir. Ah bah si, vous voyez, c'est vraiment une île voisine. Alors, est-ce que c'est une île ou est-ce que c'est un peu plus grand ? Ouais, pour l'instant, je vois beaucoup de jungle. On va contourner peut-être par là. Pourquoi je peux pas tourner? C'est quoi cette bouteille de lait? Ah oui, il faut peut-être que j'avance un peu. Bon, je voulais contourner. Mais non, je peux pas tourner. Petit souci de... Voilà. Ouais, donc on cherche la canne à sucre. Alors, des fois il y en a sur le rivage comme ça. On a peut-être pas besoin d'aller sur la terre. Ouais, je peux pas tourner à droite, c'est bizarre. Ah si, faut peut-être que oui, je suis bête. Faut juste que je regarde avec que je pointe avec la souris vers la direction dans laquelle je veux aller. Bon, c'est une toute petite île, hein, c'est pas. Pas de canne à sucre, les amis. Enfin, toute petite. Non, elle est pas si petite que ça. Je pense qu'on va devoir aller. Aïe. Ouais. On va devoir débarquer. Allez, cochon. Elle est belle aussi, hein. C'est un bel endroit. Il n'y a pas à dire. On va se permettre de sprinter. On a de la nourriture, donc tout va bien. Je demande de la canne à sucre, les amis. On n'est pas là-bas, non, c'est espèce de... Si, ça en est. Yes! Et comme c'est un nouveau pack de textures, je connais pas encore les. Elles se repèrent moins facilement que sur le pack de textures. Bon, puisqu'on en est à faire le tour de l'île. Le truc c'est que je sais plus d'où je viens. Oh, je sais plus d'où je viens, comme j'ai pris mon bouquin. Oh, quel boulet. Bon, heureusement c'est pas très loin, donc si je fais le tour de l'île. Si je fais le tour de l'île en bateau, théoriquement je dois pouvoir m'y retrouver. Je sais pas pourquoi je tourne là. Qu'est-ce que je cherche de plus? Non, c'est bon, j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Je peux rentrer, voilà. Qu'est-ce qu'on va risquer de crever là?
Voilà. Ah ben voilà, tiens. Du coup, on en trouve un peu plus de la canne à sucre. On n'aura pas fait le déplacement pour rien. Puis de toute façon, je vais la planter sur mon île. On va revenir sur notre île. Même si celle-là, effectivement, paraît un peu plus grande. Et donc, effectivement, avec un peu plus de ressources. J'aurais dû en laisser une au cas où. Ouais, peut-être en laisser une par là au cas où. C'est joli, hein. C'est vrai que c'est joli. Je vais en laisser une là au cas où, parce que si jamais je crève avec toute la canne à sucre, après ce sera hyper difficile d'en retrouver. Voilà. Donc je sais, je saurais qu'il y en a. Je saurais qu'il y en a dans un coin. On rentre à la maison. Je suis totalement déboussolé, alors je sais plus où j'habite. Je cherche encore de la canne à sucre. C'est horrible, je sais plus où j'habite. Oh, ça on dirait que c'est un truc à l'intérieur. Bon, si je pourrais sortir. Aïe, stop, 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 stop. Allez. Voilà, bon, je la laisse là. Les vaches, c'est bon, je connais. Ah, mais non, c'est pas une île, alors c'est une grosse terre. C'est une grosse terre. Oh, c'est génial, il y a des moutons. Hein. Oh, quel idiot, j'ai pas pris les coordonnées de chez moi. T'en veux du boulet? Allez, je peux pas descendre, c'est quoi ce pins? Allez, laisse-moi descendre. Oh, bijou. Je suis obligé de le péter pour descendre, j'ai compris. C'est quoi ce truc rouge? C'est de l'argile? Bon. Ok, bon, on aura quelques trucs d'argile. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais aller ramasser de la laine, les amis, puisqu'on est là. Ça nous permettra éventuellement de refaire un lit comme ça. Ouais, j'aurais pu laisser le lit à la maison. Dans le pire des cas, je mourrais et je retrouvais un. J'en ai trois. Allez, j'en ai trois. Qu'est-ce qu'on fait? On pose. Ouais, je pense qu'il vaut mieux poser. Je pense qu'il vaut mieux poser le lit, dormir viteuf avant que ça pop. Allez, hop. Bonne nuit les petits. Ah mais c'est pas encore la nuit. On va se prémunir quand même des vilains. Sait-on jamais si ça pop un peu vite. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Bon mais du coup, je peux le laisser là. Je peux le laisser là, le lit. Oh, je sais plus où j'habite, c'est terrible. Je sais plus où j'habite, il faut que je me fasse une table. Faut que je me fasse une table. Non, faut pas que je me la fasse puisque je l'avais prévu. Voilà. Et donc je me refais un bateau. Yep. Allez, on va essayer de retrouver la maison. Je laisse tout en planche comme ça. Peut-être relever les coordonnées quand même d'ici. Oh mais oh, je saurais que c'était sur cette île. Attends quand même, je sais pas. Allez, c'est les coordonnées de la maison que j'aurais dû prendre. Allez, on essaie de retrouver.
Notre île. Je sais pas où ça peut être. Bon, il y avait des arbres. Là, il n'y en a pas, donc c'est pas par ici. Il y avait de la jungle. 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 Ouais. Voilà, nous avons donc Christophe Colomb en train de découvrir l'Amérique, ou pas. Christophe Colomb, il s'est paumé. En même temps, ça nous fait une balade, hein, c'est sympa, je trouve. Mais je crois bien qu'on est sur une île, hein. Elle est grande, j'avoue, elle est beaucoup plus grande. Voilà, dès que je vois des arbres, c'est à droite. On va voir si j'ai on va voir si j'ai le sens d'orientation, mais là je vois pas d'arbres, hein. Et je me souviens même que c'était des arbres de jungle. C'était si grande que ça, cette terre là, cette île. Ah, si ça se trouve, je fais un grand tour de la truc, jamais je vais revenir sur mes pas. Aïe, 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 jamais je vais pouvoir revenir sur mes pas. Si, là, quand même, on dirait que j'ai fait un bon petit tour, là. Maison, où tu es, maison? Donc, allez, on avait dit les arbres. Putain, c'est juste des collines, il n'y a pas un pet d'arbres. Bon, en même temps, c'est ce qui va me permettre de me repérer, mais. On profite, on regarde le paysage. C'est bizarre, hein. C'est bizarre ce truc. Oh non non, je crois que là on est paumé les amis. Je crois bien que c'est officiel. Hein. Je crois bien, ouais, que c'est officiel. On est paumés. Ou alors j'ai rêvé qu'il y avait des arbres, mais j'étais à peu près persuadé qu'il y avait des arbres. Oh là, elle est vraiment géante. Ouais, elle doit être géante. C'est un continent, c'est pas une île. C'est un peu l'Australie, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas du tout le sens d'orientation, mais j'aurais dû prendre les coordonnées, mais quel idiot. Quel idiot, impossible de revenir là en plus. Hein. Avec 8 diamants à la maison. Mais où est-ce qu'ils sont ces arbres? C'était des arbres de jungle, classiques. Non? Je suis perdu, je suis perdu. Pourtant là, ça fait un petit moment que je tourne en rond. Hein. Ça fait un petit moment que je tourne en rond. Je pense que j'aurais dû revenir. Alors, je vais prendre un peu plus à l'extérieur. Parce qu'elle était pas si loin que ça, hein, l'île. Hein. Elle était vraiment proche. Donc si je m'éloigne de celle-là,
Je vais forcément, à un moment donné, bon, mais là, on est sur un continent, les amis. Ça sert à rien que je cours parce que je pense que je suis en train de m'éloigner. Je suis en train de m'éloigner. C'est joli en même temps. On pourrait construire par ici. Là, je suis sérieusement en train de m'éloigner. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là-haut. Je vais mettre un coffre et puis je vais me jeter dans le vide. Théoriquement, comme j'ai cassé le lit, je vais respawn. Je vais respawn à la bien à la cool. Voilà. On a dit après avoir fait le coffre, hein, tu sautes. Voilà l'endroit le plus inaccessible de la map. En même temps, c'est joli. Déjà, nourrissons-nous. On a dit un coffre. Ah, c'est dommage, j'ai toute l'armure et tout. Oh. Donc, on a dit un coffre. Allez, on y va. Dirt, non. Hop, je pense qu'on va faire un grand. Ok. C'est parti, pas d'état d'âme. Ah, canne à sucre, ça fait chier. Canne à sucre, ça fait chier, j'étais venu pour ça. Donc l'armure aussi, en tant que fer. Allez, on note les coordonnées. Je prends un papier et un stylo. Un papier et un stylo. Alors, 166 moins 166 moins 166 2051. 2051 moins 166 2051. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Les amis, une dernière déclaration avant que je fasse le grand saut. Non? Eh bien écoutez, hein, si ça se trouve j'ai tombé dans le loup, tu paries? Ouais, là j'ai toutes les chances de tomber dans le loup, donc on va de l'autre côté. Voilà, là ça a l'air déjà plus. Allez, Geronimo, on y va. Vers là-bas, ça doit être bon. Voilà. Et voilà. Nous revoilà sur notre île, les amis. Alors, regardons nos coordonnées. Regardons nos coordonnées. 13843. Tiens coupé, on allait se paumer. Bon, bah écoutez, hein. J'espère que cet épisode exploration, je me paume dans la nature, vous a plu.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis en colère, tu vas payer. À main nue, je vais te buter. Tu ne m'échapperas pas. J'ai dit, tu ne m'échapperas pas. Reviens là! Allez! On récupère quelques œufs. Comme ça, on n'aura pas tout perdu. Il faudra repartir miner, je pense. Quoique maintenant qu'on a les coordonnées, on peut aller direct aux coordonnées. Hein. On peut aller direct aux coordonnées. Allez! Plein d'œufs, j'ai dû les jeter, on va partir. Oh merde, j'ai récupéré un truc, je peux pas poser un bloc. Voilà. Nous revoilà à la maison. Bah écoutez les amis, hein, j'espère que cet épisode Je me paume dans la nature vous a plu. La prochaine fois, je pense qu'on ira récupérer notre matos. Voilà, donc on est reparti pour un épisode d'exploration. Je vous remercie les amis, je vous dis donc à très bientôt. À ciao.